Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo Fortnite Pépouse tranquille en mode Battle Royale pour vous montrer tout simplement ce que c'est que ce bordel en équipe de 20 tout simplement. Ce n'est plus des top 1, c'est des top 20 maintenant. Et ouais mon pote, c'est des top 20. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Je sais pas. Déjà le mode 50 contre 50 était complètement pété. Mais alors là on a 5 équipes de 20 qui vont se casser la gueule. Alors autant te dire que Tilted Towers, ça ressemble à rien, hein. C'est une grosse séance de Free Fight, un mélange entre Free Fight et Gangbang. Donc je te propose de découvrir ça, en espérant pouvoir faire le top 1. Je te propose de lancer maintenant, en plus j'ai entendu que Ibra TV se cacherait quelque part dans Tilted Towers. Je crois que c'est une expérience sociale, il est quelque part dans un coffre. Je sais pas s'ils ont prévu de lancer un Burger King, un McDo ou un truc comme ça. Mais en tout cas il est déjà positionné là-bas, il nous attend, donc mieux vaut aller le rejoindre maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez. Jean-Louis, tu peux lancer la bande ? L'atterrissage à Tilted Towers est réussi, nous amorçons effectivement la descente. Le temps paraît tout à fait correct, hein. Écoutez messieurs, dames, aujourd'hui je vais essayer de récupérer une petite arme. J'ai effectivement un petit pistolet ici, un petit revolver, et nous allons tenter d'asmater la moitié de la population ici. Donc j'ai un petit truc, voilà, on va tout de suite essayer de récupérer un piège, tac, on va mettre un piège. Non, je suis avec toi mon pote, je suis avec toi, tout va bien, il n'y a aucun problème. Donc je vais récupérer un shotgun. Oh! Salut! Oh, t'es un amour! Oh, je pourrais te sucer pour ça, mon frère! Ah. Je ne vois rien ici. On va monter encore. Chercher les ennemis en hauteur, peut-être. A-t-on déjà réalisé l'impossible sur Tilted Towers? Où il est? Là, toi, je t'ai vu. C'est pas bien ce que je fais là, je suis en train de rusher la popo comme s'il y avait personne autour. Et je vais quand même prendre ton AR grise qui a l'air un petit peu plus docile que le reste. A partir de maintenant, où sont les ennemis? J'ai qu'un kill, putain c'est même pas moi qui ai eu le deuxième. Ok, il y a une arbalète là-haut. Ok, nickel, bibi. Regarde, hop 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 hop, je prends tout ça. Il avait des greux. Regardez tout le stuff qu'il y a là-dedans, personne n'a calé. Et c'est moi qui vais tout ramasser. Hop. Impeccable. Maintenant je vais aller chercher l'autre là. Celui. Attends, il est où? Voilà. Bon, je préfère le kit de soins que effectivement tout ce qui est heal. Il y a du heal, ok. Maintenant, l'objectif, c'est de rester bien, bien paquet pour essayer de faire un maximum de dégâts. Putain, là, il y a un loot qui arrive juste à côté. Bon, 50 encore en vie. J'ai déjà 5 kills. C'est pas mal pour un mode comme ça. Je vais juste pas essayer de faire le casse-cou. L'objectif, vraiment, en fait, c'est de rester en groupe parce que... Regarde, il y a des ennemis partout. Tu te fais suriner dans tous les sens et tu comprends que dalle. Ok, nickel. Il est mort. Et putain, le nouveau bruit de la SCAR, il est tellement délicieux, mon pote. Il est délicieux. Pa, 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 pa. Mais où est-ce que vous allez? Pourquoi vous faites ça? AKO. Allez. Il y a encore un mec qui doit se cacher là-dedans, je pense. Regarde là-bas. Ok, nickel. Lui, il est terminé. Maintenant, faut que je regarde où est-ce que j'ai fini les autres mecs. Ça doit être là, dans le coin. Et il va falloir que je bouge et que j'aille en zone cette fois-ci. 39 en vie pour quasiment 10 kills. Nickel, il m'a fini mon kill. Impeccable. Maintenant, il faut vraiment tracer en zone. Allez, mon pote, sachant que j'ai plus de réserve de shield. Du tout. Il en reste 37 en vie alors qu'on est que 4. Comment ça va être tellement tendu? Bougez, les gars, bougez. Vous allez vous retrouver coincés. En gros, pour moi, là, ça se termine en solo versus squad. J'ai bien l'impression.
Ça va être tellement difficile de le faire. Sachant que c'est pas des escouades de 4 là, c'est des escouades de 20. Donc je vais me promener et potentiellement je risque de me faire soulever par tout un groupe de joueurs. Voilà, comme là. Qu'est-ce qui se passe? Putain, si tu me touches mon pauvre. Faudrait éventuellement que j'aille le chercher lui, sauf que lui il est hors zone. Et moi je suis en zone. Donc j'ai un peu... Vraiment, hein, j'ai un peu peur d'aller le chercher. Putain. Je sais pas comment sortir de cette passe là. Ce que je suis en train de me faire rincer. Mon pauvre White. AKO. Putain, il en reste 31, mon frère. C'est tellement dur. Je m'en sortirai jamais vivant, je peux pas faire ça. Oh, trop dur. Trop difficile. Là, je peux faire ça. Tac. Récupérer un peu de bois. Prendre vraiment sur les extrémités, j'ai une minute. Putain! Ok. Quand je vous l'avais dit que ce serait compliqué, écoute, on va partir pour une petite deuxième parce que... Bon, top 5. Ma foi, en même temps, c'est pas difficile. Ça veut dire qu'on est juste la dernière équipe vivante. Enfin... La dernière des plus nulles, quoi. La cinquième sur un. Ce que je vous propose, c'est tout simplement d'enquiller une deuxième partie pour vous montrer que, en fait, cette fois-ci, véritablement, le top 1 ne dépend pas de vous, mais de la qualité de vos collègues. C'est un petit peu pété. Un tout petit peu. Bon, messieurs, dames, les alliés ont décidé que nous irons à Retail Row. Le problème qu'il y a, c'est que si on va à Retail Row, il y aura beaucoup moins d'action que si on va à Tilted Towers. J'avais dit que je jouerais un peu plus teamplay. C'est vrai. Cette fois-ci, White, tu es tout seul. Tu ne peux compter que sur toi-même. Fais attention aux ennemis qui t'entourent, parce qu'ils sont tous là, dans le seul et unique objectif de t'enculer, de te faire un trou du cul encore plus large que ce qu'il était à l'arrivée de ce mode. Écoute-moi bien, White, regarde tout ce qui est autour de toi. Ce ne sont pas tes alliés, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas tes amis. Tu es seul, John Wick, tu es seul. Ta prime a été doublée. Ah, juste des balles. Ah, pas d'armes. White, j'ai des rollbacks, j'ai des... Les escaliers sont buggés, la tête de ma mère. Oh, un shotgun. White. Oh. White. Bats-toi. Wesh. One down. Mais c'est qu'est-ce qui se passe? Ça roule back dans tous les sens. Encore. Je vais tous vous pourrir votre partie, même si je ferai pas le top 1. Où sont les autres que j'avais mis au sol? Ils doivent être là. Mes salauds. Un KO. Je ne sais pas quoi faire. Toi, tu ne joues plus. Toi non plus, tu ne joues plus. Par contre, si je pouvais juste avoir un tout petit moment pour me soigner. Non, ma vie est foutue. C'est terminé. Non. Tout ce bordel sans nom pour rien. Bon, écoute, j'ai redescendu la population totale de Tilted Towers à 46 personnes, les potes. Vous êtes encore 18. J'espère... véritablement, que nous ferons le top 1 parce que j'ai fait un carnage tout seul. C'était du One Man Army à Tilted Towers, vous avez vu ça? Bon, en vérité, on me dira, il n'y a que la finalité qui compte, je me suis quand même fait enculer. Mais
J'ai fait un carnage, regarde, mon compteur de kill n'arrête pas d'augmenter puisqu'il ne revive pas, les salopards. Vous allez le voir monter. Je vous laisse avec ce petit morceau de gameplay pour voir si effectivement nos alliés pourront faire le top 1. A few moments later. On a réussi à avancer jusque là. La zone est de plus en plus petite. Il reste 21 personnes en vie. J'ai terminé sur 7 kills sur cette partie, ce qui n'est pas énorme du tout. Et on a seulement 2 de nos potes qui sont en vie, regardez. Lui, il est caché dans un tout petit truc là-dedans. Et le deuxième, il est toujours en extérieur de zone, en train de camper. Je sais pas ce qu'il fait, en fait. Je sais pas exactement ce qu'il fait, mais il a l'air déter à rester là-dessus, à jouer les extérieurs de zone. Ce serait peut-être éventuellement une bonne chose. En toute honnêteté, je pense pas qu'on termine top 1 sur cette petite partie, sachant que lui il a 0 kill, l'autre de mes potes a 0 kill, et ils jouent les deux en rase-motte en train de se cacher partout. Alors du coup, on va arrêter cette vidéo ici. En fait, je suis satisfait pas de ce nouveau mode de jeu parce que c'est un bordel sans nom en fait, j'espère que vous serez d'accord avec moi. C'est sympa, c'est cool, ça permet de voir autre chose, mais c'est très compliqué à jouer, sachant que tout le monde ne peut pas avoir le stuff qu'il veut. Faut rusher les grosses villes pour avoir beaucoup d'équipement, faut faire du kill tout simplement pour avoir des trucs. Sinon t'es condamné à avoir un équipement de merde tout simplement, puisque effectivement comme vous le savez, que ce soit Ibra TV ou tout le stuff, tout est planqué dans les grosses villes. Les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner à cette chaîne YouTube pour m'aider à passer les 200 000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous fais des gros bisous les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live. Ciao tout le monde, peace.